Sagittaire, eh bien oui, en fait, on se retrouve au milieu de nulle part, juste avant le printemps, parce que je voulais absolument vous annoncer deux bonnes nouvelles. D'abord, la première, c'est que je voulais vous faire un petit coaching de printemps, donc ça, c'est un petit cadeau, c'est une bonne nouvelle. Un petit coaching de printemps qui va servir à quoi? À mieux comprendre, en fait, votre énergie. Pourquoi? Parce que, en fait, le nœud nord du monde, vous savez, est en bélier, donc ça parle directement de vous, en fait. C'est-à-dire que cette énergie de nœud nord bélier de l'univers vous pousse vers des directions. Or, dans le cadre des horoscopes, on ne s'appesantit pas suffisamment, on parle beaucoup des événements, en fait, on ne s'appesantit pas suffisamment sur l'énergie fondamentale, sur le changement énergétique annuel, donc je voulais absolument vous en parler. Ça, c'est la première chose. Deuxième cadeau, j'ai écrit un livre, alors je l'ai écrit pour vous, je l'ai écrit pour vous accompagner jour après jour. C'est un almanach de printemps, c'est une idée par jour, une page par jour, en réalité deux. Qui va parler d'astrologie, d'approfondissement, de développement de la personnalité, de développement, j'allais dire, de toutes nos idées, de savoir comment mettre en pratique. Bref, c'est un livre qui ressemble à ma chaîne, qui me ressemble. C'est un livre, en fait, qui est destiné à être un compagnon de route. Mais d'abord, parlons de vous, puis après, je vous en parle un petit peu. Alors, donc, vous savez que, en tant que Sagittaire, vous êtes quelqu'un qui avançait, qui avait une structure mentale qui est très solide, que vous savez à peu près vers quoi vous allez, ce que vous voulez, sauf que là, en fait, vous vous retrouvez dans la peau d'Alice au Pays des Merveilles, c'est-à-dire que vous savez absolument ce que vous voulez, vous avancez, et tout à coup, en fait, on vous met un lapin blanc devant le nez, et on vous dit, en fait, c'est ça que tu attendais. Et là, vous vous dites, ah waouh, j'attendais un lapin blanc, mais oui, en fait, l'idée... c'est qu'on vous demande d'explorer des choses que vous n'avez jamais faites. On vous demande, en fait, vous avez votre structure de vouloir, votre structure de désir, j'allais dire, elle est toujours la même, sauf que l'univers vous présente des trucs complètement folles dingues. C'est-à-dire qu'on vous demande d'explorer l'inconnu et d'évoluer, de vous changer complètement. Alors c'est exaltant, hein, c'est absolument incroyable de se dire, par exemple, j'étais sédentaire, ah bah non, je suis nomade. Ou de se dire, ah bah, je voulais pas d'enfants, ah bah, je veux trois enfants. Ou bien, ah bah, jamais de dog ou de chien chez moi. Oh, élevage de teckel. C'est un peu bizarre en fait, mais on vous demande en fait de changer complètement votre manière de vivre, votre manière de vouloir pour aller vers autre chose. Alors, vous pouvez avoir un petit peu peur, mais en même temps, c'est comme si vous vous remettiez radicalement dans une autre vie. Qu'est-ce que c'est changer de vie? Alors on peut se dire, oui, c'est d'aller vivre à Madagascar quand on vit à Bornéo. Oui, c'est vrai, c'est déjà un changement de vie. Le plus grand changement de vie, écoutez-moi bien, c'est de changer soi-même. C'est-à-dire que, en fait, arriver à expérimenter d'autres certitudes. Vous avez toujours fait un truc super, faites autrement. Et en fait, c'est ça qui va vous changer radicalement d'être. Donc l'idée, c'est de tracer une voie qui n'est qu'à vous, qui part en fait, j'allais dire, de la rampe de lancement que vous avez indiquée, mais qui va donner quelque chose de complètement différent. Donc le plus incroyable des voyages, c'est de devenir autre et de voir ce que vous êtes en train de découvrir. Alors moi, je vous ai écrit un almanach pour vous aider à quoi faire, vous Sagittaire, à apprivoiser l'inconnu. C'est-à-dire que, vous savez, moi j'ai un côté où j'aime bien sautiller, j'aime bien changer d'une idée à l'autre, aller d'un truc à l'autre, etc. De temps en temps, j'imagine, je dois vous énerver un peu. Mais en fait, l'idée, c'est que là, ça va vraiment vous aider. C'est-à-dire qu'en approfondissant une connaissance, en ayant tout à coup une connaissance profonde en astrologie, que ça vous renvoie à des questions que je vous pose, en faisant que 4 jours après, je vous repose la même question, l'air de dire « Non mais attends, t'as oublié ce que je t'ai dit 4 jours avant? Qu'est-ce que t'as mis en œuvre ?» Un petit peu comme si je vous suivais, un petit peu comme si, vous imaginez l'horreur, vous aviez Nitya à côté de vous, dans votre vie. Bref, en fait, l'idée, c'est que... c'est comme si j'avais été chercher des petits bouts de sagesse immémoriale, ésotérique, profonde du monde, et que je vous en ramène juste des petits bouts, pour vous donner envie d'aller vraiment plus loin. Donc l'idée de cet almanach, tout simplement, c'est de vous apporter des forces. Donc une page par jour, entre, j'allais dire, les deux horoscopes du mois, d'être un compagnon vraiment de route, d'avoir le temps aussi d'approfondir plein d'outils, et de vous faire sourire aussi, hein, j'espère, de manière, j'allais dire, à ce que vous vous sentiez vraiment bien. Alors, je l'ai écrit aussi, hein, vous vous doutez, comme une main tendue, pour vous donner quelque chose, mais qui soit aussi une occasion, vous, d'attraper ma main, parce que
souvent, en fait, j'ai des gens qui me disent « Ah, mais on voudrait vous aider. » Vous savez, je fais des conférences aussi. Ces conférences, elles sont très, très abordables en termes de tarifs. J'essaye, en fait, de faire le plus de choses, le moins cher possible, le plus abordable possible, parce que je pense que la connaissance, elle est inestimable. Et justement, on essaye de l'estimer à une grande valeur, mais à un prix assez bas. Donc, en fait, ça m'aiderait que vous partagiez ce livre, que vous l'achetiez, que vous l'offriez si vous le pouvez. En tout cas, ça serait une manière de m'aider à continuer à être là pour vous. Mille merci à vous.